Hey hey hey, ça vous fait YouTube, je suis Suzucube. Et je suis content de vous retrouver dans de bonnes conditions. Le stream, normalement là, le stream, le son doit être vraiment cool. Et on va découvrir ensemble. C'est même de tellement bonnes conditions que la musique était. Vraiment à fond. Voilà qui devrait être déjà mieux. C'est original comme manière de demander quelle langue vous parlez. Je vous avoue que c'est une clé qu'on m'a envoyée par email pour ce jeu. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme jeu. Je l'ai juste téléchargé. Et je crois que je l'ai planté. J'ai plus de son. Bonne chance pour demain. Merci Kurno, ne t'en fais pas, j'apporte un cadeau à Newté. Joyeux anniversaire, Kurno les 6 heures, ouvre ton cadeau. Sensationnel. Je vous bientôt, génial, montre-les avec sagesse, on ne peut pas voir ça, pourquoi pas. Je ne trouve pas les sages sans eux. Et sans eux, le grand sommeil a envahi le monde. Oh non, le grand sommeil est apparu. Notre monde perd des couleurs, nous devons faire quelque chose. Allons chercher les grands sages, allons-y, ouais! J'espère que le son va revenir parce que j'espère ne pas jouer. Ok. En fait, c'est genre le grand plantage. Et c'est pas un jeu presse, hein. C'est le jeu officiel. Je crois qu'il est pas encore sorti. Reparti pour la petite musique. En fait, là, j'ai appuyé sur le bouton B. Au lieu du bouton A. C'est ce qui a fait planter. Oh non! Oh que non! Je vous laisse découvrir au passage ma vie de testeur de jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, il y a un bouton pour diriger, un bouton pour changer la caméra. Un bouton pour sauter. LR qui sert à je ne sais pas quoi. Comment dire? Je ne le sens pas du tout. Pas envie d'avoir l'aide de Curino. Ah, t'es obligé en fait. En gros, il me dit va te faire foutre parce que j'ai pas coloré assez de choses. J'aime pas la physique. Car elle me dit rien du tout, ça fait très enfantin. Est assez space, hein, je sais pas, moi ça m'endort, c'est vraiment lent, je suis obligé d'attendre des plateformes.
c'est chaud. Libérons le perroquet. Oui, libérons le perroquet. Je le vois venir gros comme un camion, le 98%. Et je le vois arriver, regarde. Il y a un putain de truc que j'ai pas touché quelque part pour faire 100% du niveau. Eh mon pote, ça va mon pote? Eh Kurno, voilà, moi c'est Newté, qui es-tu? Coucou, je suis un perroquet, je ne sais pas quoi. Appuie sur XXX. Pour baser, parce que non. Ça sent les popcorn, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le hub central qui te permet de sélectionner ton niveau. On sait que c'était un niveau. Sauf que non. Évidemment. Forêt de même principe. Waouh, on a gagné des ailes. Du coup, on flotte, regardez. Honnêtement, c'est pas ultra mauvais, mais le truc c'est que de nos jours, on a accès à tellement de jeux que c'est difficile de vous conseiller celui-là. Je sais même pas combien il est vendu. Même à 1€, je sais pas si je vous le conseillerais. Vraiment long les niveaux en plus. Je trouve aussi le contrôle de la caméra assez spécial parce qu'en fait. Ah non, pardon, en fait tu contrôles bien que la caméra, c'est quand tu avances en même temps que ça fait des trucs un peu chelous. Comprendre, normalement tu devais avoir peur de sauter dans le vide, moi j'ai tellement la foi que dans ma tête ça a vraiment fait YOLO, rien à branler quoi. YOLO. Oula. Musique, ça va, ça passe. Hein. En fait, lorsque tu restes appuyé sur le bouton A, le perso il rebondit par lui-même. Ce qui est rigolo. C'est juste pénible de tout recolorer en touchant. Ça, je vais me foirer évidemment. Donc, j'ai raté le 100%. Bref. Ah, d'accord. En fait, c'est pas si grave que ça de tomber quoi. Ouais,
On a recommencé du début et tout, mais non. Même là, le jeu s'en branle. Je pense que c'est pour les enfants, ce jeu. Mais bordel, j'ai tout touché, non? Moi, je vous propose, on fait un tour à Forest 3. Et on s'arrêtera là. Je pense pas que l'intérêt va monter. Je sais que c'est pas bien de jouer un jeu sur ses premiers niveaux, mais moi j'aime pas me forcer à jouer un jeu. Si les premiers niveaux m'ont pas plu, je vais pas passer 40 heures pour voir si le jeu va me plaire plus loin, tu vois. Je comprends le concept, je vois ce que ça donne. Hop. En fait, ça ressemble beaucoup à un projet étudiant, tu vois, de jeu. À vrai dire, j'ai tendance à donner plus de chance au jeu Switch, parce que ce sera un jeu PC. Je pense que j'y aurais même pas joué, tu vois. Bonjour, le passage casse-couille. Ah d'accord, c'est des trucs en dessous. J'avoue que certaines mécaniques sont marrantes. Attends, j'ai pas été jusqu'au bout. Je pensais que c'était l'arrivée là-bas. Curieusement, ce niveau m'a plu, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait là mon premier 100%? Premier 100%, attention! À chaque fois, quand je gagne à la fin, ça me redit deux fois mes objectifs. Mais! S'arrêter là. Voilà. Sur cette image, avec une capture d'écran, je
une miniature sur YouTube. Non, je sais pas trop quoi vous dire. C'est un jeu, je sais même pas c'est quel éditeur. Je ne sais même pas l'éditeur de ce jeu. Il n'y a pas d'écrit. En tout cas, je vais vous mettre en description plus d'informations sur ce jeu. Ouais, il m'a pas botté plus que ça. Il s'appelle Newt One, tout simplement. C'est un jeu de, je dirais, chill et de musique et de plateforme, mais vraiment basique, quoi. C'est du easy. De mon côté, je vais vous laisser. Je sais que j'avais d'autres let's play de prévu, donc on va aller faire nos let's play. Ça m'a permis de retester mon installation aussi de let's play. Elle fonctionne bien, ça c'est cool. De mon côté, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku et à bientôt sur otakugame.fr. Merci de votre fidélité. Ciao, bye bye.